Quel est le programme du jour? Eh bien, des orages notamment sur les régions de l'Est. Finalement, Romain, ce week-end s'annonce particulièrement mitigé et agité. Hier, on a eu des orages notamment du côté de Saint-Étienne ou encore sur les régions du Nord. Eh bien là, ce matin, les orages se décalent sur le flanc Est du pays avec des orages localement assez forts attendus entre les Alpes et la montagne Corse. Soyez bien prudents, tandis que sur les régions de l'Ouest, retour d'un temps un petit peu plus lumineux et un petit peu plus clément. Dans l'après-midi, toujours un temps variable, toujours instable, avec des orages principalement à l'Est. Et puis, ça va commencer à s'ennuager sur le Nord-Ouest, signe que le week-end s'annonce particulièrement mitigé. À noter également le maintien du vent en Méditerranée, mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Côté température, ça reste toujours très doux pour la saison, 15 à Paris, 10 degrés en Bretagne, petite baisse quand même par rapport aux jours précédents, tandis que vous avez déjà de la grande douceur à Nice ou encore du côté d'Ajaccio avec localement jusqu'à 21 degrés. Dans l'après-midi, les températures baissent sur les régions du Nord. Regardez, rien à voir avec la semaine dernière, avec localement 21 degrés près des côtes de la Manche, 19 degrés en Bretagne, 26 degrés à Paris, tandis que la chaleur se maintient dans le sud avec 28 degrés du côté de Montpellier ou encore de Perpignan. La suite du programme, des conditions météo mitigées pour votre week-end et oui, surtout la journée de samedi qui s'annonce assez pluvieuse avec une nouvelle perturbation. On retrouvera également un vent d'ouest et donc conséquence, les températures resteront en dessous des normales de saison pour la journée de samedi. Amélioration dimanche et lundi, on retrouvera également des températures un peu fraîches pour la saison près des côtes de la Manche.